ce compte-là, c'est une Omega Giga Summon, les gars. C'est pas n'importe quoi. C'est une vraie Summon. C'est, c'est une vraie Summon, ok? En gros, Julien m'a envoyé un message. Je l'ai déjà Summon l'année passée. Free to play, il aime bien faire des grosses Summons, tu vois. Il économise pour longtemps. Et cette Summon-là était normalement destinée pour Noël. Sauf que Julien, bah, il a des choses à faire IRL, voilà. Et il a plus le temps de trop jouer pour l'instant. Et puis, je pense qu'il y a un petit racheté du jeu qui s'est allé à côté aussi, tu vois. Et il m'a dit, Tito, je crois que j'ai fait une pause de Summoner War, mais tu peux quand même me summon. Et moi, je t'ai dit, t'inquiète, frérot, je suis sur le coup. Je vais te régaler et tu vas revenir sur ce jeu aussitôt que tu es parti. Du coup, l'objectif, avec ces 1200 vélins mystiques, ces 500 vélins d'eau, ces quelques 70 LD et surtout ces 45 légendaires, plus à même les tout attributs, Transcendance, Jujutsu Kaisen et Vanilla SWC, on va essayer de le régaler. En vrai, il y a du matos. Il y a du matos. Il m'a dit tout ce qui est dupe, on en fait des bénés. Non, on n'en fait pas des bénés, on en fait des LD évidemment. Et voilà. Au niveau de la wishlist, ben écoutez, il veut pas les nouveaux mobs, il les aime pas, donc on va pas mettre des rate-up. C'est ce qu'il m'a dit, hein, c'est ce qu'il m'a dit. Et de nos tables à aller chercher, écoutez, on va juste regarder le vélin SWC. Puisqu'il l'a concocté lui-même. Et on voit que bah, de la Vanessa Psamat, donc du Lit 33, c'est ce qu'il lui faudrait. Le Léo, Alien, Karnal et Byung-Chul, donc plutôt des mobs pour jouer en siège. Pas trop de la RTA. Et au niveau du LD, bah, il était cherché plutôt des mobs de RTA, hein, sur le coup. Bizarrement, c'est l'inverse. Ok, bah, de toute façon, je vais pas le changer. Hein. Il est pas dans le chat actuellement. La vidéo sera certainement sur YouTube, donc vous pouvez dire coucou YouTube, hein, si vous voulez. Mais c'est vrai que du coup, c'est assez étonnant qu'il ait choisi des mobs élémentaires plutôt siège et plutôt des mobs RTA en dessous, à part Lucifer. Et tu vois qu'il veut le combo Lucifer et Léo. C'est-à-dire qu'au niveau des LD, il doit avoir un petit truc là. Il doit avoir un petit talisman ou quoi qui traîne, 100%. Non? Ok, il y a Jaeger. Aïe. Jaeger, je suis au courant. Ah, il n'y a que Jaeger. Oh! Il a que Jaeger. Ok, ok, ok. En vrai, la vérité... La vérité... Ah non, il y a Valantis. Il y a Valantis. Ok, 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 j'ai eu peur. Ok, ok, il y a Valantis. It's fine. Ok, bon. On va essayer de régaler, écoutez. Bah, c'est parti. Et il y a une béné, là. Oh merde, j'ai mis des setup. Non, 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 non. Me pète pas ma béné avec, genre, deux nouveaux mobs dedans, je vais péter un plomb. On met pas les setup. Il les veut pas. Allez Julien, je m'appelle Julien aussi. Il y a beaucoup de Julien dans le chat, je pense. Qui s'appelle Julien ici? Manifestez-vous. En vrai, en France, il y a beaucoup de gens qui s'appellent Julien. Lucifer RTA. En vrai, Lucifer RTA, j'ai déjà vu des trucs. Hein. Mais je pense pas que ce soit vraiment un mob de RTA, on est d'accord. Mais Lucifer, ce qui est intéressant, c'est que... En vrai, sur le coup, Lucifer, c'est quand même un mob que tu peux jouer dans tous les contenus, tu vois. Si tu veux vraiment forcer une cleave... Tu peux le faire genre en RTA avec Léo Lucifer. En arène, bah c'est Godlike. Et en siège, tu peux l'utiliser aussi. J'ai beaucoup vu de guildies dans différentes guildes qui utilisaient genre vraiment genre Lucifer pour faire des cleaves avec Lucian. Mais bon. Mais bon. Il paraît qu'il est bon. J'ai NFT Lucifer, mais rien à côté. Du coup, je les joue pas. Ah ouais? Après, j'avoue que Neftis et Lucifer, c'est pas la même chose. En gros, Neftis, tu veux setup un mob pour one shot, derrière, avec le break def. Et Lucifer, t'aimes bien avoir de l'inner def à côté, et tu joues pas avec un setup strip ou quoi que ce soit, quoi. C'est ça la différence. C'est que c'est deux mobs qui se jouent pas ensemble. Les Julian ont les bannes, exactement. Les Juju, c'est ok, les Julian ont les bannes. Et la rime, t'as vu ou pas? Théma? Je crois que tous les Julien que j'ai connus étaient des gars vachement cool. En vrai, est-ce que j'ai déjà connu un Julien qui était en... Attendez. Ouais, non, si. Ok. En vrai, moi, j'aime tous les Julien que je connais, je les aime bien, sauf un. Non, en vrai, je vous jure, tous les Julien que je connais, je les aime bien, mais il y en a un que j'aime pas. Je dis pas qui. Ouais, je dis pas qui.
Même PvE. Ouais, en PvE aussi, ça peut fonctionner. Je me suis fait cook hier par un mec en RTR avec Lucifer. Mais Lucifer, c'est pas mal en RTR. En vrai, de vrai, bon, il faut des setups, comme je l'ai dit, c'est très spécifique, mais... Tu sais, tu fais genre Léo, Lucifer, Kabila, Psamat et genre Lucian. Ça paraît bête, hein, comme ça, tu vois, comme compo, mais... Au niveau des runes, t'as besoin de 0 runes, et tu t'amuses en RTR en faisant tes trentaines, genre... Ben, forcément, tu vas être limité en RTR, je suis d'accord avec vous, mais tu vois, en faisant ça, tu vas pouvoir faire tes trentaines, cleave satisfaisant, en genre une heure, tu fais tes trentaines, quoi, même pas. En vrai, c'est quand même cool, tu vois, d'avoir ce genre de cleave. Quand tu te prends pas le jeu au sérieux, en mode, je veux pas être G3, top ladder, machin, ben, je trouve que c'est sympa comme petite cleave, tu vois, genre... En C1, C3, ben, ça passe nickel, quoi, tu bouges entre le C1, voire P3, je sais pas, ça dépend le niveau de rune. Oh! C'était son Most Wanted! Et toi, c'est Most Wanted! Il le voulait! Incroyable! Il le voulait! Bah c'est bon, ça y est. C'est bon les gars, il revient sur le jeu! Let's go Julien, coming back to the game! Holy! Nice! En vrai, ça c'est cool, hein. Il va revenir. Allez, Julien, reviens sur le jeu, Julien, je t'en supplie. Oh, nice, encore un. Et il l'avait pas, 100%, il l'avait pas. Patrick, nouveau. 2. On va faire comme Passepartout dans Fort Boyard. Et de 2. Le problème, c'est qu'on va tellement avoir de notre sac que j'aurai pas assez de doigts, en fait. Pour, je vais devoir mettre mes pieds et j'ai pas envie de montrer mes pieds en stream. Yo, Kelium, ça va ou quoi? Maintenant, Lucifer, il est revient tous les jours. Imagine. Zen 3. Il l'avait pas. Reviens, Julien. Reviens, Julien. Et ça, tu vois. Ça, tu sais pourquoi je chope tout ça, là? C'est... Ok, c'est parce que c'est Tito qui summon. C'est parce que c'est moi qui summon. Mais... J'ai envoyé un MP Atmos. J'ai envoyé un petit MP à Atmos. Bon, je vous le dis parce que vas-y, j'en ai marre de le cacher. J'ai envoyé un petit MP à Atmos, appuie sur les boutons. Et là, il est en train de. Il est sur les commandes, là, il est sur les manettes, là, il est en train d'appuyer comme il faut. Et voilà, les gars, et voilà. Bon, je plaisante évidemment au cas où s'il y en a qui n'ont pas compris, on sait jamais. Parce qu'au final, il va prendre des vraies représailles, le pauvre Atmos. Ton mission, tu veux sauver le petit soldat. Ah, ben là, je veux qu'il revienne. Reviens très très vite, mon pote. Reviens, Julien. C'est pas fini, Julien, t'inquiète. Ça arrive. En vrai, on le régale, là. Putain, en plus, tu sais, on regarde la liste, on se dit, il veut des mobs sièges, et Léo qui est passe-passe-partout. Passe-passe-passe-partout. Il chope Léo, et il chope Zen. Zen, en siège, c'est ok, et ça joue en arène. En arène, c'est populaire. En vrai, de vrai, en vrai, on le régale, hein. C'est des bons mobs. Franchement, moi, en vrai... Bon, c'est cool de choper des élémentaires, c'est génial. Lui, il va être content. Moi, je veux lui choper un Natsak LD. Il y a quand même pas mal de matos. Si on peut lui choper un petit Natsak LD, là, tout michto, ça serait incroyable. Je pose cela, mais il ne reviendra pas si tu n'as pas un Natsak LD. Non. Vous inquiétez pas, il va revenir. On ramène Julien à la maison. En vrai de vrai, Léo, c'est quand même pas mal. Hein. La vérité, Léo, ça aide beaucoup. Mais imaginez, on chope Lucifer à côté. Non, en vrai, c'est impossible de dropper Lucifer. Impossible. Les pieds, c'est réservé pour le OnlyFan. Putain, mais imaginez, je serais tellement riche avec mes pieds de Hobbit si je les mettais sur OnlyFan. Ramenez Julien à la maison. Allez, Tito, allez. On y va. On donne tout, là. J'ai une Bélial ou Gany, il peut être joué où Bélial? Ah oh bah prends Bélial. En fait si t'es un joueur siège, Bélial tu le joueras en siège, quasiment tout est siège. C'est super fort en siège. Et Ganymede c'est bien pour la TOAL, c'est le seul contenu que je trouve encore vraiment intéressant. Un petit peu en siège, peut-être en arène, dans des offenses assez spécifiques, mais je pense que c'est un peu out of date. Par contre Bélial c'est très méta en siège actuellement. Et bon, si t'as envie d'avoir une petite folie et de perdre une game de RTA, tu peux éventuellement te dire que ça peut être bien en RTA. Ah, t'aimes pas le siège? Ouais, mais Gany, du coup, tu vas pas trop le jouer, quoi. Moi, je pense que... En vrai, Bélial ou Gany? Je pense que c'est Bélial. Enfin, le problème, c'est que dans mon chat, une personne sur deux, il fait du siège. Donc, tout le monde va dire Bélial. Il y en a aucun qui va dire Gany. Et comme je viens de dire ça, il y en a qui vont dire Gany.
Ok, dupe, ça fait 3 LD, magnifique. En vrai, on a eu 4 nat 5 en 300 vélin mystique, c'est pas mal, hein. Bélial, pas besoin de skill up, donc Bélial. C'est vrai que t'as pas besoin de skill up sur le mob, en plus de ça. Bah bon. J'ai gagné, je m'en fous du siège, mais j'utilise jamais. Ouais, mais gagné pour moi, par... En fait, le seul moment où tu l'utilises encore vraiment beaucoup, c'est en TOL. Pour moi, il y a juste un TOL où tu peux l'utiliser quand tu fais, tu sais, les Savannah, Tiana, Savannah. Nouveau. What the fuck? Non mais attendez, mais reviens Julia, je t'en supplie. Attends mais... What the fuck? En plus on vient de parler de Savannah à l'instant même et elle pop genre. Qu'est-ce que c'est que ça? Diano de Natsak, juste comme ça, Tito. Dupe Léo. Non, je rigole. Non. On parle de Chandra. C'est vrai que Chandra, c'est pas mal en RTA aussi. La vérité, Chandra, c'est pas mal en RTA. Tu peux... En fait, Chandra, c'est quand même vraiment un bon mob aussi. Parce que c'est vrai que Chandra, tu peux le jouer dans tous les contenus du jeu. J'ai même cook une offense arène avec. Bon, j'ai pas encore une, mais on peut le jouer en offense arène. Ça se joue également au siège. En RTA, c'est complètement méta. Mais c'est un mob qui peut se faire nerf. Mais en attendant, ça reste quand même ça à part. Vanessa incoming, imagine. En vrai, Vanessa, ça ferait grave plaisir. Rika, ok. Il l'avait ou pas? Non, mais les... Ok, bon, il l'avait. Attendez, mais par contre, les rates... 6! Non, mais j'ai dit que j'allais faire comme passe-partout, mais... J'aurais jamais assez de doigts, je vous l'ai dit, on est déjà à 6. Les rates, c'est 1 à 5 tous les 40 vélas mystiques, là. Tous les 50 vélas mystiques. 600, 400 vélas mystiques. Ouais. Buff de retour. Bah, c'est mes rates, les gars. Moi, bah, je veux dire, quand je summon pour quelqu'un, c'est rare que j'ai pas ces rates-là, la vérité. Genre, à chaque fois, je les ai. Je le dis à chaque fois. Je le dis à chaque fois. Si vous voulez que je vous régale, bah, moi, je veux bien. J'accepte. Je donne du mien pour vous. Il a mal entendu comme toi, tu disais Vanessa. Ouais, c'est Vanessa qu'on veut. Faut préparer une semaine et rage quit. Après, j'exagère. Je pense pas qu'il est vraiment rage quit. Il m'a juste dit qu'il faisait une pause. Il m'a dit qu'il faisait une pause. On va essayer d'arrêter de dramatiser la chose. Il fait une pause. Voilà. Les raisons lui appartiennent. Ça se fait, il a rage quit. Attendez, semble si ma semaine pue, plus jamais deal. Comme tu veux. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que pour ceux qui veulent que je summon en décembre, envoyez-moi un MP déjà maintenant parce que je suis en train de faire une liste et j'ai du monde. J'ai du monde, je dois faire plusieurs streams. Sauf si je me dis, on fait un marathon 24 heures de semaine. Je suis sûr que là, je pourrais déjà faire un marathon. Mais je me vois mal summon pendant 24 heures. Je pense que je vais me déconnecter de la planète si je fais ça. Bah, je vais me déconnecter tout court en fait. Vraiment. Genre, je pense qu'au bout d'un moment, il va y avoir un arrêt Windows et ce sera pas mon PC qui se coupe, ce sera moi. Parce que semaine par 24 heures, je pense que je vais mourir. D'asphyxie parce que j'essaye de trop parler, je pense. Et encore décembre? Bah, décembre, c'est les fêtes, les gens sont en vacances. En général, il y a des événements de Noël. Probablement des petits packs à part, peut-être des nouveaux mobs. C'est le moment où les gens veulent se faire plaisir. C'est le moment où il y a la magie de Noël qui peut opérer, donc les gens aiment bien se mener à ce moment-là. Voilà. Tout simplement. J'ai une touche F où je pourrais... En fait, si j'enlevais ma main qui est dans mon slibar, je pourrais appuyer sur la touche F pour skip les tasselles, là. Il y a un bouton super, là, sur Steam. Pas mal, hein, j'avoue. J'avoue que je peux skip comme ça. Waouh, le nombre d'étincelles, c'est incroyable. 3 étincelles. J'ai vraiment dit, il y a la magie de Noël qui peut opérer. Ben ouais. Je sais pas moi. Je crois plus au Père Noël, désolé, mais... Mais on sait jamais.
Oh, je sais pas, c'est juste les fêtes d'hiver. En gros, décembre, c'est les fêtes d'hiver, les gens aiment bien se faire plaisir. Et semaine, voilà. Donc, me dis pourquoi pas. S'il vous plaît, on a plus de notre sac là. Allô, ça fait 120 MST qu'il y a un problème. Le mec qui se plaint. Non, mais se plaindre diff fonctionne aussi sur le jeu, c'est pour ça que je le fais. Je vous donne un petit peu tous mes tips. À travers cette semaine, je vous donne un peu tous mes tips qui permettent d'avoir des NAT 5. Et parmi mes tips, il y en a une, c'est se plaindre. Se plaindre te permet d'être récompensé. Donc n'hésitez pas à vous plaindre. Et soyez régalé à côté. Mais en parlant de marathon, c'est vrai que j'aimerais faire des marathons, mais pas des marathons de 24 heures. Je pense que les marathons de 24 heures, j'y arriverai jamais. En plus, en fait, le problème, c'est que ça va trop me pourrir ma santé, je pense. Mais pas physique, mais mental, en fait, de faire ça. Mais c'est vrai que j'aimerais potentiellement en faire un ou deux. J'en ai jamais fait. Mais peut-être des streams de 12 heures, du coup. Oh! Ah, bon, on l'a déjà eu. Dupe. Bon, bah, se plaindre diff, hein. On voulait un AT5, on l'a eu. Ça fait des LD en plus. Magnifique. C'est le 7e ou le 8e? Je pense que c'est le 7e. 7. 7. Tito m'a jamais pas régalé, je vous conseille ce streamer même si je suis nul à ce jeu. Bah oui. Akame, je l'ai summon deux fois. Je crois. La première fois, je l'ai droppé Pontos. La deuxième fois, j'ai droppé un Dupe Yonang. Oh, j'avoue, le Dupe Yonang, il faisait mal parce que... Oh, qu'est-ce que j'aurais voulu l'avoir sur mon compte, celui-là. Le mec qui pense pas du tout à Akame, qui est là en mode, ouais, bon, Akame, bon, il a déjà plein d'LD, donc il chope un Dupe, c'est pas grave. Mais moi, qui s'émane une Yonang sur son compte alors que j'aurais pu moi-même l'avoir sur mon compte. Ah là 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 là, catastrophe. Jouable comme Dupe. Non, mais il m'a dit tous les Dupes, c'est des LD. Et il l'a déjà eu deux fois. Maximilien, oui! Et j'ai eu Maxi aussi, c'est vrai, j'ai eu Maxi aussi. Non mais Akame, qu'est-ce qu'on a fait sur ton compte? On a fait des petites folies quand même. Après, on va pas se mytho, tu mettais les moyens pour que les semaines soient belles aussi, tu vois. C'est pas genre en mode, tu venais avec 10 LD en mode, chope-moi 3 NAT 5 LD, tu vois. Tu venais avec les moyens quand même. Donc forcément, ça a aidé un petit peu. Merci pour la follow, Ziu, Ziu. Welcome, welcome. Que 3 Natsa qui m'envoient les pieds de Tito. Non. Non, les gars. Jamais de la vie. Je pense que... En fait, le problème, c'est que si je vous montre mes pieds... Si je vous montre mes... Oh, Liam! S'il l'avait pas, c'est pas mal. Oh, il l'avait. Ok, des LD en plus. Et de 8! 8! 8! Je pense que si je vous montre mes pieds, bah tout le monde se barre, en fait. Je pense que vous allez sentir l'odeur jusqu'à chez vous, tu vois, même à travers cet écran. Donc j'ai pas trop envie. Je pense que c'est pour votre bien. Liam égale pied. Oui, bon, c'est bon aussi. Maintenant, j'ai envie de voir les pieds des Hobbits. Non, 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 non. En fait, regarde ma main. C'est la même chose. J'ai 3000 LD à semaine, t'es chaud. Tito, dis, j'ai une petite semaine. Alors, j'ai quoi depuis deux semaines? J'ai environ 2500 V1 LD. Ça te dirait de me summon? Ça, c'est les messages que je recevais d'Akame tous les mois. Il fut un temps. Il fut un temps. Il y avait des chouettes trucs à summon sur le compte d'Akame. Ça, c'est Kylian Bao. Non. Mais en vrai, on en parlait tout à l'heure, mais il a droppé Kovarsi, c'est ça. Hein. Pouah. Non, mais une folie. J'ai cru que c'était un attack. Tué, on se mène avec une telle fluidité grâce à Steam. Steam qui est fixe, il faudrait vraiment que je joue sur Steam. Je suis toujours sur émulateur et je pense que maintenant Steam ça vaut plus le coup d'être dessus. Parce que c'est vraiment fluide sur le coup. Je sais pas si on voit la différence en stream, mais moi personnellement de mon côté, je vois que c'est quand même vachement plus fluide. Et ça a l'air de plus cracher. Avant je crachais toutes les 10 secondes. Parfait.
disait au SWC, son compte a genre 3 ans, un truc d'absurde comme ça. Quoi ? Le compte de Kylian Bao ? Mais non. Il doit avoir injecté des... Oh ! Oh, notre Patrick, encore ! Non ! Arrête de donner des Patrick ! Ah, t'as fait des LD, c'est bien, mais... 9 ! Ça fait 9 nat 5. 9 nat 5 en genre 900 vela mystique. What the fuck? Non! En 800 vela mystique. 9 nat 5 en 800 vela mystique. Eh bien. Non, mais il a dû injecter des millions d'euros dans son compte pour avoir tout ça. What the fuck? À mon avis, chez lui, il n'y a pas de pack. Il y a un bug. Chaque fois qu'il y a un pack qui sort, il disparaît. Pour moi, s'il met moins petit. Car ça allume ton le processeur. Ah oui, ok, ouais. L'émulateur, c'est la carte graphique. Je vois ce que tu veux dire. Je suis d'accord. Sachant qu'en plus, moi, j'ai un problème. Bon, en fait, j'ai vraiment... Sur le coup, j'ai vraiment un très très bon PC. J'ai refait mon PC ici en janvier, donc j'ai vraiment un gros gros PC. Donc il n'y a pas de souci. Mais en fait, j'ai acheté une carte, ma carte graphique, c'est... Oh, j'ai oublié ce que c'était la référence. Mais c'est pas une Nvidia. C'est pas une Nvidia. Et quand je vais lancer mes streams pour les premières fois, c'était un peu saccadé mon stream. Pourtant, j'avais fait tous les paramètres, tout ça. Je me suis renseigné, tout ça. Et le stream, il faisait des espèces de petits flous tous les X temps. Et du coup, j'ai dû changer dans les paramètres de mon stream, pour que ça, du coup, ça travaille, Streamlabs travaille avec... mon processeur et pas avec ma carte graphique, et ça me fait chier, mais du coup comme ça j'ai pas le problème. Du coup, si en plus de ça tu rajoutes Steam sur la carte graphique, c'est embêtant. Mu 20% de GPU, Steam CPU 20%. Attends, mais je vais regarder maintenant. J'ai deux d'allumés actuellement, et du coup j'ai Mumu qui utilise... Ah ouais, mais attends, mais je peux pas le savoir moi le pourcentage. Ah si, 7%. Mumu utilise 7%. Non, il utilise 10%. Et Summoner War utilise 20%. Ouais, j'avoue. Mais par contre, j'arrive pas à voir le pourcentage de mon GPU qui est utilisé par Mumu. Mais je crois que ça doit être genre 10% de ma mémoire, parce que Steam utilise deux fois plus que Mumu. Et Streamlabs, pardon. Et puis derrière, j'ai aussi Summoner War et j'ai d'autres trucs à côté. J'avoue que ça consomme quand même vachement plus sur Steam que sur, de façon générale, que sur émulateur. Mais comme j'ai dit, j'ai un vrai PC, donc là, c'est pas un souci. J'arrive plus à lancer le jeu via Steam. Ça fait un écran noir de connexion réseau retardé. Ah. J'avoue, je pourrais pas t'aider. J'avoue que moi je saurais pas t'aider, je sais pas, jamais souci. Mumu est moins gourmand. Ouais, après bon, j'ai l'impression que Mumu il crache un peu plus depuis. Et puis moi d'un autre côté, je me dis que comme tu vois, ça fait l'effort de sortir une application sur Steam et pour leur jeu, et ils l'ont optimisé quand même. Bah, c'est quand même cool de l'utiliser quoi, donc je pense que je devrais vraiment passer sur Steam aussi. De quoi je parle, passer sur Steam? On est sur Steam! Nous y sommes. Avec un faux PC, tu pourrais pas lancer Steam. De stream, pardon. Bah oui, en vrai oui. C'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que sur le coup, là, mon PC, il est overkill. Le PC que j'ai, il est overkill par rapport à ce que j'en fais actuellement. Genre, là, je pourrais faire tourner n'importe quel jeu en 4K maximum, avec 3 trucs à côté. Bon, par contre, j'avoue que pour tout ce qui est montage vidéo, le multitâche, c'est génial, mais je pense que ma carte graphique est trop balèze par rapport à ce que j'en ai besoin, tu vois. Je pense que j'aurais dû acheter une moins performante, mais une Nvidia. C'est mon seul regret dans mon setup. C'est que j'ai pas pris une Nvidia. Et je vais vous retrouver la référence de ce que j'ai acheté. Attendez une seconde. Est-ce qu'il y a moyen ou pas? Ah non, je pense que j'ai plus la boîte. Si, je peux vous la trouver. Attendez, je vais ouvrir un truc, là. Je vais ouvrir pour voir. 2 secondes. Je vais vous dire la carte graphique que j'ai actuellement. J'ai... la Radeon... non, la Radeon RX 7900 XTX. Les XTX 7900, voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu l'informatique. Qui est une bonne carte graphique, je pense, quand même.
Voilà. Salut Léa Topacha. Oui, mais en fait, c'est mon ancien setup. Ah, c'est mon ancien setup. C'est... Il faut que je mette à jour. Ça, c'est mon ancien setup et bon, il est en dessous, quoi. Ça, c'est l'ancien PC et ce PC-là, je l'ai filé à mon pote. Il n'y a plus de NAT 5. J'avoue, il est où mon 10ème NAT 5, là? What the fuck? Attendez, mais... On a invoqué 1000 vélins, on a eu que 9 NAT 5. Il est où mon NAT 5, là? Wesh. Ça envoie grave comme carte graphique. Oui, mais moi, j'ai plein de problèmes avec cette carte graphique. J'ai des délais de latence, des dépassements de latence, et parfois, ça me fait crash limite le PC. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Je sais pas pourquoi. J'ai des délais de latence. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ma carte graphique, elle est bridée à 30% de son potentiel. Pourtant, j'ai fait tous les paramètres comme il fallait. Et t'inquiète que j'ai un bon circuit de refroidissement. Au début, je pensais que c'était parce que j'avais branché... En fait, mon alimentation, j'avais branché avec... Tu sais, il y avait des pins et j'avais mis... il fallait mettre... j'avais mis qu'un seul pin qui s'adait en deux. Et du coup, l'alimentation n'était pas suffisante. Je me disais que c'était ça le problème. Donc, je me suis amusé... Enfin, j'ai dû, du coup, remettre un autre... Donc une double alimentation, donc j'ai tout changé. Et après, tu vois, je me suis dit, je vais regarder sur les tutos et tout ça, sur internet un petit peu, ce qu'ils disent à propos de cette carte graphique. Et apparemment, c'est des défauts qui arrivent, pas de fabrication, mais juste des défauts qu'il y a avec le logiciel de la carte graphique et qu'il faut juste attendre des mises à jour et c'est comme ça. Dans certains setups, il y a des problèmes et tu peux rien y faire. À la limite, j'ai envie de me faire rembourser, quoi. Vraiment. Nvidia est plus adaptée pour le streaming que les AMD. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est juste que quand je l'ai acheté, cette carte graphique-là, je l'avais à un prix intéressant. Oh, nice, un NAT 5. On l'avait ou pas, celui-là? Oui, ok, DLD en plus. C'est le 10ème, 10ème, 10 NAT 5, les gars. 10 NAT 5. On est à des rates de 1 sur 100 pour l'instant, c'est incroyable. 1 sur 110, plutôt. Ça n'avait pas de la carte mère? Non, ça n'avait pas de la carte mère. Non, 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 c'est bel et bien de la carte graphique. Mais bon, pour l'instant, j'ai plus de problème pour l'instant. En fait, depuis les mises à jour, les dernières mises à jour, j'ai moins de problèmes. Donc j'ai l'impression que c'était vraiment un problème de software. J'ai plus trop de problèmes maintenant. Oh, ok, Xunze, il l'avait ou pas? Oui. Et Didju, 11, comment je fais? 11, j'ai pas 11 doigts. Hein. Allez, on l'avait promis. Non, on recommence à 0 et de 11. Il veut Eterna, je crois il faut lui donner. Il veut Eterna? Ah ouais? Non, je crois pas. Si? On regardera après. Ah ouais, petit Eterna. Ça peut faire plaisir. Mais je suis d'accord, en fait, Nvidia, après on arrête d'en parler parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens, ça n'intéresse pas. Mais Nvidia, pour le streaming, c'est vraiment mieux parce que juste, moi la seule raison, il y en a plein d'autres, mais la seule raison, c'est que tu peux supprimer ton arrière-plan avec un logiciel de Nvidia. Et il est juste incroyable. La suppression de bruit est meilleure et la suppression d'arrière-plan est juste incroyable. Genre, t'as pas besoin de fond vert pour supprimer l'arrière-plan derrière. Et c'est bien parce que t'as pas besoin d'avoir de jeu de lumière pour avoir une bonne suppression d'arrière-plan. Moi ici, il faut savoir que j'ai pas de jeu de lumière et que j'ai un fond vert qui est mal foutu. Et du coup, bah, mon rendu est vachement moins bien que celui que j'avais avant. Mais ça, c'est un truc qu'il faudrait que je retravaille. Mais ça, je le ferai quand j'aurai déménagé. Après un script ITO sur Google Store, il est beaucoup plus fluide, mais pas possible de sortir un JSON. Ok. Après, j'avoue que c'est vrai que sur Steam, tu peux sortir un JSON, c'est pas mal aussi, quoi. Mais du coup, tu vois, ça ne te coûte rien d'avoir les deux d'installer au final. Un pour les JSON et un pour juste jouer. Au pire, tu fais ça, tu vois. Allez, on va continuer à invoquer. Boum. Je suis curieux maintenant de savoir si vous l'éteignez ou pas, mais bon, vu qu'on invoque des vélins de feu, ça... Bah là, on s'en fout un peu de savoir, pour l'instant. Pas juste qu'on mette à jour la liste, parce que bah, on a droppé Léo, qui était bah, Hot Samos Wanted. En vrai, Léo, ça fait plaisir, hein, déjà. En feu, je sais plus ce qu'il voulait.
Vanessa, il voulait Vanessa, ok. Est-ce qu'on pourrait avoir une Vanessa? En vrai, Vanessa, un mob qui se joue dans tous les contenus du jeu, sauf l'arène, le siège. Plutôt intéressant. Avec Valentis, ça marche encore bien, je trouve. J'ai vu Raxas qui joue un petit peu Vanessa, Bella, Valentis ensemble, je trouvais ça pas mal. Il y a pas cette saison, mais il y a quelques saisons. Je trouvais ça ok. En vrai, petite Vanessa là, s'il vous plaît. Puis en défense arène, c'est plutôt sympa aussi, quoi. Non? Ok. Ok. Tam, 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 tam. Ok, petite étincelle. Ok. Oh, le nombre de vélins légendaires qu'il y a, c'est une folie. 371 vélins d'eau, waouh! Attends, on regarde le vélin. Ah, il veut Karnal, Vanessa. C'est ça. Et il voulait Tiana, vous m'avez dit? Ah oui, il n'y a pas Tiana. Attends, mais Tiana, on peut limite lui mettre. De toute façon, en vrai, dans ce vélin-là. Non, Tiana, ce serait trop bien. On lui met, hein, je pense, la vérité. On lui met, hein, Tiana. Voilà, il veut Tiana, apparemment. Il veut quoi en eau? C'est vrai qu'il y a 370 vélins à dos, on se demande bien ce qu'il voudrait. Hein. En fait, qu'est-ce qui est intéressant? Ben, le nouveau mob, oh, est bien, mais il m'a dit qu'il le voulait pas. Aliab Samat. Et qu'est-ce qu'il n'a pas d'autre? Oh, il a pas Camille! Attends, mais il a mis Psamat à la place de Camille. Oh. Camille, Shaw. Camille, Shaw. Nana. Miles. Ange. Oh, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de chances de le régaler, là. Il y en a tellement. Tellement de bons mobs là qu'il peut choper. Holy. La meilleure série Détective Conan. Tu veux savoir un truc, Akame? J'ai jamais regardé. Mais tu le gardes pour toi, hein, tu le dis à personne d'autre. Hein. Mais par contre, le C, je l'aime bien. Je la connais, je la reconnais, je reconnais. Il y a encore les 10 plus en plus. Ouais, c'est ça, il y en a pas mal de vélins à récupérer. T'en penses quoi de Borsalino? Je l'ai découvert en TOL récemment. En fait, tu sais qu'il s'est fait buff. Il y a genre 2 BP et... Ah non, Borsalino, c'est celui qui strip et qui met... Non, je me trompais avec le Saga O, excuse-moi. C'est celui qui cleanse, qui met l'antimore et autre, un truc comme ça. Il y a moyen de faire des cliffs fun avec, je pense, en siège. Mais c'est très, très, très spécial. Et puis il y a peut-être justement pour la TOL moyen de l'utiliser, je sais plus. J'avoue, j'ai pas trop d'avis à donner là-dessus parce que j'ai une méconnaissance sur le mob, j'ai pas trop utilisé. Je sais juste qu'on l'utilisait à une offense siège il y a assez longtemps. Et j'ai entendu dire que ça pouvait encore se jouer actuellement, mais c'est assez spécifique. Parce que bah, maintenant les défenses, elles ont toutes des strips. Mais quand t'as des défenses où il n'y a pas de strip ou bien qu'un seul stripper et que tu peux aller choper à l'open, ça peut être pas mal. Je pense que c'était un counter à Clara. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a longtemps, c'était un counter à Clara, si je me souviens bien. Vous vous rappelez ou pas? Oh! Oh, il l'avait déjà. Il m'a dit qu'il gardait pas les dupes. Hein. Il m'a dit qu'il le gardait pas. Oh, dommage, s'il l'avait pas, c'est incroyable pour le siège. Donc, je suis déjà désabonné. C'est vrai, ça a des plus abonnés, enfoiré. Bah. Bah ouais, Borsalino, je pense que c'est jouer contre les Clara. Et en gros, tu faisais double O avec lui qui cleansait, je pense, et un autre mob, je sais plus ce que c'était. Et en gros, tu mettais en shield et tu priais pour que la Clara fasse pas assez de dégâts pour strip, stun, ou que ça reste dans le shield. Et du coup, au pire, s'il stunnait un truc, ils avaient les mains opposées avec Borsalino, du coup, tu pouvais clean sa team avec. C'était ça la compo, il me semble. C'est un petit peu tricky, mais c'est contre une défense 4 nat avec Clara. Oh, en Avel, il l'avait pas. Nice. Bah, de 12. 12. 12. Insane. Insane.
En vrai, Julien, il faut que tu reviennes sur le jeu, là. On est en train de donner tout ce qu'on peut, là, pour que tu reviennes sur le jeu. Julien, je t'en supplie, reviens sur le jeu. Tu peux pas nous laisser, là, après tout ce qu'on est en train de te choper, là. Tellement de choses à faire sur le compte. Incroyable. Et merci, ne sais pas, pour le follow, welcome. Excuse-moi, j'avais pas vu. Welcome, welcome, j'espère que tu vas bien. Ok. On va bientôt arriver sur les événements intéressants. Après ça, on va juste récupérer tout le cashback. Et je pense qu'il y a aussi l'espèce de quête là, tu sais, où tu récupères en fonction des invocations des points pour récupérer des choses. Je pense qu'il y a des événements en plus à récupérer. Je pense pas que je vais lui prendre l'espèce de battle pass à 3000 cristaux derrière. Parce que bah, la décision m'appartient pas. Et comme il est free to play, je pense pas que j'ai envie de gaspiller ces cristaux. Après, il joue plus, donc... Non, je rigole. Ok, petit Suki. En vrai, Suki, c'est toujours bien en choper parce que ça fait des skill pour les Kinky. Et des Kinky, t'en as jamais trop peu. Yo, Warox. Warox, tu m'as envoyé... Warox, j'en profite que tu sois là. Ça va ou quoi? Tu m'as envoyé un... En gros, tu m'as envoyé un P sur Discord. Mais en fait, t'as rejoint mon serveur sur Discord pour m'envoyer un MP et puis t'as quitté le serveur. Mais du coup, moi, je peux pas te répondre. En fait, soit il faut que tu m'ajoutes en ami sur Steam, soit tu dois rester sur un même serveur que moi. Si tu quittes, je ne peux pas te répondre. Je ne t'ai pas ignoré, je ne pouvais pas te répondre. Une espèce de double. Hein. Mais du coup, je peux te répondre maintenant. Si je jouerai pas à Aeternum, à... Comment ça s'appelle? Comment s'appelle le jeu? J'ai oublié. J'ai joué pour des heures et des jours et des nuits. Le jeu d'Amazon. New World, voilà. New World Aeternum. Aeternum ou Aeternum, je sais plus. Je jouerai pas parce que ça va trop absorber toute ma vie. Et je te jure que quand j'ai regardé les mises à jour qu'il y avait... Avec les quêtes un petit peu différées, tout ça, je me suis dit, ouais, ça pourrait être sympa de se reprendre un nouveau serveur et recommencer à zéro, monter tout. Mais je me suis dit, ça va me prendre toute ma vie et au final, je vais être déçu. Oh, attends. Oh, on est face à un dilemme. Oh, il avait pas Amélia. Oh, il avait pas Amélia. On lui a chopé Bolverk. Bah, il avait déjà Bolverk, mais il avait pas Amélia. Oh, c'est incroyable. Oh, mais non, mais là, par contre, attends, mais Julien, là, le siège. Julien, le siège. Regarde-moi ça. Ça, c'est incroyable. Oh yo 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 yo, ça c'est génial. Je vais pas te mentir, je suis monté 65 sur le serve, puis j'ai un peu give up. Ah. Mais je pense que tu vas vite, tu retombes vite en fait sur... En fait, au début, t'as des nouveaux trucs, du coup tu dis, t'es un peu hypé tout ça pour le truc. Et je me dis qu'après, bah c'est la même chose, tu vois, tu retombes dans la même boucle de New World, quoi. Le problème, c'est qu'il y a rien qui a changé pour plus tard. T'as juste des meilleurs items, mais du coup, ça te... C'est juste pour te forcer à refarmer des nouveaux items, mais au final, il y a rien d'autre. Enfin, c'est dommage, quoi. On arrive dans la même boucle très vite. Julien, reviens parmi nous. Reviens parmi les tiens. Non, mais là, c'est sûr qu'il revient. T'as vu ce qu'on lui chope ou pas? Le poney, là, il est incroyable. Leveling et le start avec les métiers un peu up. Suivre la classe que tu choisis, c'est cool, mais le late, c'est toujours boring. Bah, c'est ça. Bah, c'est ça. Bah, c'est ça. Moi, qu'est-ce que je faisais au late game? Je faisais qu'à camasser des camas. Je faisais que gagner de la thune. Bah, tu sais bien, tu me connais. Sur ce jeu-là, j'avais une belle économie. Mais j'étais riche à la fin, putain, j'étais tellement riche. Mais bon. Mais bon. Ok, attendez, bah du coup, on va récupérer les vélins bonus, puis on va... Bon, tu sais quoi, attends, Ouais, vas-y, on va prendre les VLF bonus, on verra après. Oh là là, attends, parce qu'il y a tous les vélins de partout à récupérer, alors, du coup. Bon, les clés, il n'y aura rien. Là, il y a des vélins à récupérer, je pense, en dessous. Oh là là, il a vraiment rien fait. Oh, il faut qu'il récupère ses réaps. Fief de pointage. Ah, mais il a quand même tout récupéré hier.
Ah bah il joue encore, Julien. Je pensais qu'il avait give up, moi. Alors à mon avis, il a tout préparé hier, en fait. Pour moi, il a tout récupéré hier. Pour la semaine d'aujourd'hui. Parce que je lui ai dit que je semainerai aujourd'hui. Ouais, c'est ça, hein. Ah, des petits vélos en plus, quand même. Yo, tonton, t'as ta réponse, c'est bon? T'as pas de te répondre? Parfait, parce que j'avais pas envie. Le gros bâtard. Oui, la rage kit. Ouais, c'est dur. Non, mais tonton, c'est pour te mettre de bonne humeur. C'est bon, il sait bien que je rigole. Mais bon, on rigole, on est potes. Vélin SWC. Vivement le MMO de Rio. Ah, mais le jour où le MMO de Rio sort, par contre, là... Là, mais en fait, genre juste, je fais des streams 24h tous les jours. Hein. Je pense que vous vous rendez pas compte. Hein. J'espère être encore sur Summoner War et sur Twitch à ce moment-là. De façon générale. Mais je vous jure que je vais poncer le jeu comme never. Ah merde, mais je vais récupérer ça, moi. Oh, y'a plus de points. BTFF dans le but. Bon, bah, on a tout récupéré. Il reste juste à récupérer, là. Il y a trop de trucs à récupérer. Je sais pas où c'est. C'est où? Il est où le Battle Pass? Y'a pas un Battle Pass? C'est dans quoi? Conseiller? Non? Dans Invoke? Il est fini? Qu'est-ce qu'il y a, Kamé? J'ai pas compris. Dans la stèle d'invocation. Stèle d'invocation. Ah oui, là. Merci. Oh, je savais pas qu'il y avait ce truc-là. Bien vu, les gars. Bien vu, merci. Oh non! Ok, on est reparti. Oh, ok, ça vite fait. Oh. Ok. Oh là là, la summon de fou qu'on fait là. Je vous jure, si je chope pas une attaque LD, je vais l'avoir mauvaise. Hein. Oh, level aggravé, je sais pas s'il veut les claquer. Est-ce que. Non, je pense qu'il veut garder. Oh, il y a Chandra. Non, vas-y, on lui chope Chandra. Non, mais la vérité, il faut lui choper Chandra. Chandra, c'est trop bien sur son compte. Chandra, non? Ah, je sais pas. Non, vas-y, je fais pas. Non, 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 je fais pas. Je sais pas trop. J'ai pas envie de hint. Non, j'ai pas envie de hint. Ah, tu regardes la demi-finale T1 vs Chucky. Ah, la demi-finale de LOL? C'est quand? C'est samedi? Samedi, non? Mais je pense pas que je vais regarder. Moi, j'avoue que tout ce qui est compétition, je suis un petit peu détaché sur LOL. J'avoue que je regarde plus trop. C'est déjà passé? Ah, t'as regardé! Ah, c'est déjà passé, c'était samedi dernier! Ok. Il reste quoi alors? Du coup, il reste une demi-finale ou c'est la finale? Mais je sais rien, moi, les gars, je regarde pas, donc... J'en sais rien du tout. Mais j'imagine que T1 a gagné. Dimanche, finale, c'est ce week-end, dimanche? Ok. Je vois. Et du coup, c'est quoi la finale? J'imagine qu'on peut leak, c'est samedi, c'est déjà passé. C'est samedi? T1 contre BLG. BLG, je connais pas. C'est de quelle contrée cette équipe? C'est Bilibili Gaming. Attends, quoi? Chinoise? Chine? Ok. Elles sont trop chaudes. Hein. Vraiment, chaque année, c'est eux les meilleurs. Hein. Moi, j'ai pu regarder depuis tellement longtemps. Moi, les gars, je regardais la compétition quand c'était XPK qui faisait des XPK, quoi. Et depuis, c'est fini. Fnatic, voilà, quoi.
Hâte que Faker mette une drill à Knight. C'est Knight, c'est le mid laner de la guide de la team en face. J'imagine que oui. Yep. Holy shit. Après, j'avoue qu'une finale, ça peut être bien de regarder comme ça. C'est vrai que, en vrai de vrai, j'ai regardé une game, genre au hasard. C'était quelle game que j'ai regardé? C'était G2 qui jouait contre je sais plus quelle team. Et en gros, ils ont perdu la première game du BO. C'est dans les phases de poule. Et puis après, le deuxième game, genre, t'avais, je sais plus contre qui ils étaient, ils ont trop. Et G2, ils ont réussi à overthrow le trow de la team en face. Ils devaient revenir, ils avaient genre 4... Oh, Ganymede! Bon, ça a dupe. Ils ont réussi à se chier dessus alors que les autres s'étaient chiés dessus. Et du coup, pas faire 1-1 et perdre genre 2-0 ou 3-0 comme ça. C'était... Je sais plus contre quelle équipe c'était. Et je me demande, c'est pas contre TA, justement. Ah, c'est face à BLG? Ok. Voilà, bon, bah, voilà. Bah, toi, Akame, tu le sais, parce qu'on était en vocal, je pense, à ce moment-là. Ils ont pas eu un run Benny? Ah, ils ont eu du mal. Ils ont eu un chemin compliqué. Genre, beaucoup d'adversaires costauds. Des équipes fortes. Ah, c'est unlucky, ça, c'est le problème des brackets. De toute façon, c'est toujours comme ça. Hein. C'est comme Sartek, hein, quand tu regardes pour les WC, si on se met à notre niveau, bah Sartek il a pas du tout un run facile par rapport aux autres. Enfin, par rapport au... En gros, il y a deux runs qui sont compliqués, hein, deux runs qui sont plus faciles, quoi. Genre Zezas, c'est beaucoup plus simple, quoi. Oh là là, c'est maintenant qu'on va faire level intéressant. C'est maintenant que tout le monde va retenir sa respiration. On a eu tellement de Natsak, c'est une folie. On en a eu 12 ou 13, je pense, c'est incroyable. Les raids sont vraiment dingues. Bah 13, non, 13 ou 14 d'ailleurs, même, puisqu'on a eu Ganymede. Waouh. Non, les raids sont fous, hein. On est à genre 1 VLA, tout, 1 à 5 tous les 130 VLA mystiques, 4 comme ça. Bah écoutez, on va faire les VLA, toute attribut, VLA légendaire, c'est parti, hein. Boum. Allez, ça c'est du scam, ces VLA-là, mais on voudrait bien avoir quand même quelque chose, hein. S'il vous plaît. Du nouveau. Ils auraient lose en 1-4 anyway. G2. Je pense qu'ils pouvaient pas faire un mode outsider. En fait, j'arrive pas à me rendre compte à quel point. En fait, l'écart de niveau entre EU et Chinois, par exemple, elle est insane, j'imagine, sur ce jeu. Et dans le sens où tu peux pas avoir genre des outsiders qui raflent tout, un peu comme a fait Mr. Chung, tu vois. J'imagine que là, c'est tellement. Tellement un travail de team, ça joue tellement sur la préparation qu'ils sont beaucoup plus préparés que c'est impossible, j'imagine. C'est un peu comme si tu disais... un porteur d'eau pouvait gagner le Tour de France et battre Van Aert, tu vois. Tu vois, ce genre de truc, quoi. Genre, c'est impossible. Y a pas de hasard, ouais. Bah, il faut vraiment quoi, genre, je sais pas, genre un des mates fait une crise cardiaque au milieu de la deuxième game, 20 minutes, il a FK pendant toute la game et du coup il gagne. Petite Camille là, imagine Camille Vanessa. En vrai, Camille Vanessa, c'est deux mobs super intéressants à voir sur son compte, hein, c'est incroyable. Compte, ils sont fait 2-0. G2. Eh oh! Les Natsak là! Hello! Hello! S'il vous plaît! Attends, mais quoi? Come on! Hello! Hello! Je skip parce que. Le comparatif avec Van Aert était pas prêt. Ouais, je sais pas. Je cherchais. Oh la Vanessa. Oh la cool. Oh la cool, la Vanessa. Reviens, Julien. Reviens.
Reviens mon pote. Regarde ce qu'on t'a chopé. Oh là 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 là. Oh gros, il est refait. Non mais il est refait là, c'est incroyable. Non mais... S'il veut pas revenir sur le jeu après ça, je comprends pas hein. Oh yo 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 yo, c'est incroyable. Les vilains légendaires, c'est plus gros, c'est un truc de fou. Bon après, ils sont rattrapés, en une étape seule, on s'est rattrapés. Mais c'est vrai que c'est vraiment du gambling quoi. Tu peux vraiment avoir plein de nats 5 ou bien rien, tu vois. Et te dire que les WC scrolls c'est la même chose, bah c'est disgusting quoi. Parce que tu peux avoir soit ton most wanted, soit genre fur. Juste fur en fait. Qui sont des vilains mystiques là? Non. Non non, mais pourtant non. Ok, on veut Camille maintenant. En vrai quand on call le mob on l'a. On veut une Camille maintenant. Donnez une Camille le jeu. J'ai pris toute la log, je vais semaine demain. Alors dis pas ça, dis pas ça. Objectif complet. Bah là on est déjà sur une belle summon. Hein. Là on passe mytho. Je pense que en termes de qualité de summon, on est déjà très très haut. Là on lui a chopé tellement de nouveaux mobs forts qu'il n'avait pas sur son compte. Encore une Savannah. Non mais c'est bon, on l'a eu tout à l'heure. Ok. Bon du coup t'as fait 15 ou 16 nat 5 là. Waouh, beaucoup hein. La semaine de bzbz. C'est pour la censure que j'ai dit bzbz. Eh bien. Savannah qui est là, jouez-moi, jouez-moi. Ah ouais, ça se joue encore un petit peu en siège, mais... En offense, tu vois. L'offense, Tiana, CP... Savannah se joue un petit peu. Et encore. Et sinon, en défense, tu joues un peu avec Tessarion encore, j'ai l'impression. Clara, Tessarion, Savannah, tu sais, la vieille défense. J'ai vu quelques guilds récemment qui la jouent encore. Je sais pas ce que ça vaut, mais... Def Arène, j'en vois beaucoup. En Def Arène ? Ah ouais ? Oh ! Le Luna. Oh, dis-moi que tu le fais pas. S'il te plaît ! Non, il l'avait déjà. Non. Camille. Maurice. Ok. Écoutez, je vais juste quand même mettre tout ça au storage. Mais attendez, mais le nombre de Narsak qu'on a eu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Narsak qu'on a eu. 18 Narsak et c'est pas fini. Ouais, c'est tout ce qu'on a eu, ceux-là. What the fuck? En une semaine, il a déjà un meilleur compte que le mien. Oui, toujours dans l'abus. C'est bon, les gars, arrêtez. Et c'est un compte free-to-play, hein, je vous le dis. Il y a juste une longue économie. Alors maintenant, on va faire quel vélin? On fait les vélins tout attribut. Parti. Oh, j'ai très peur de les invoquer, ceux-là. Il y a 180 000 monstres en stock. Alors là, ça, j'en sais rien du tout. Il faudrait aller vérifier. Merci Promentos pour le follow, welcome, ça va? Non, 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 Pagnonog, on drop Pagnonog sur ce compte. C'est pour mon compte. Vu qu'il est LD et il a un meilleur compte que moi. Mais toujours plus. Il y a la moitié de mes 5 nats en une session. Non, mais c'est vrai. Faut avouer qu'on a quand même une sale semaine là. Elle est incroyable. Ouais, ça va nickel, je te remercie, Quentas. Bienvenue à toi. La semaine est folle. Mais là, tu vois, il manque... Là, tu vois... Ok, Missy. Bon, il l'avait déjà. C'était à choix, je pense. Là, on a envie d'avoir un attaque LD, tu vois. Vu la gueule de la semaine, on se dit, vas-y, donne tout, quoi. Il manque juste le bouquet final, exactement. Le truc pour nous achever, tu vois. Écoutez, on va invoquer les transcendances maintenant. Et Jika, j'imagine. C'est parti.
Donc là, on est sûr d'avoir un Natsak. Poseidon. Il l'avait. Ok, bon, ça dupe, malheureusement. Ça fait 19 Natsak, du coup. Ça mate. Il l'avait pas, il le voulait. Il le voulait. Il le voulait. Oh, la semaine est bénite. Oh, la semaine bénite. On lui a chopé 3 mobs de son... De sa wishlist. Il est béni. Il est béni. Aïe, 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 aïe. Vas-y, je mets ce que je veux. Hein. Je mets Juno. En vrai, Juno, c'est bien. Hein. Je lui mets une Juno, là. Et en haut, on lui met quoi? Et on lui met la Camille. Hein. Je veux rien entendre. Oh là 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 là. La semaine de Zinzin. On va faire les invocations du JK. Il a surtout chopé 2 litres en 3. Ouais, ça, c'est génial. Hein. Ouah, c'est le light. Ok, nice. Cool. Toujours bon à prendre. Ok, Nobara. Je prendrai la place de Totemis. Ah, peut-être bien, ouais. J'avoue. Ok, petit Megumi. Un petit Natsak. Allez, s'il te plaît, de la collab là, s'il te plaît. Non? Ok. Bon, on peut pas tout avoir. Mais la Totemis, c'est lui qui l'a mise, tu vois. La Totemis, c'est lui qui a dit qu'il voulait la mettre à la place de... Enfin, en fait, Chandra, il l'a pas mis. Moi, ça, c'est un choix qu'il lui a fait lui-même, donc j'ai pas envie de bouger. Malheureusement. LD avant? Ah bah oui. Vous avez raison. C'est le moment d'LD. On va aller foutre du coup tout ce qui est... Oh, j'espère qu'il a les ressources nécessaires, parce qu'on a chopé tellement de dupes. Je pense qu'il était même pas prêt, lui. GZ! Ok, il y a les ressources. What the fuck, les ressources qu'il a? Holy! Il a bien farmé, hein. Le farmer fou. Si tu mets Chandra dans les WC, autant faire les pierres. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Mais ça, je voulais laisser le choix parce que j'ai pas l'info. Mais c'est vrai que Chandra, c'est quand même un bon mob à avoir, tu vois. Mais bon. Mais bon. Je sais, les gars, le Bolverk, mais il m'a dit, Léon, on les food. Et là, pareil, il a qu'un seul Léo. On l'a droppé Léo tout à l'heure. Franchement, la semaine est incroyable. J'ai pas les mots. Le fou du ferme, même aussi, j'ai tout qui est au max. Donc moi aussi, je suis un fou du ferme. Oïe, 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 oïe. Vers le shop. C'est le meilleur moment, hein. Par contre, les gars, je vais pas garder des ressources. En mode, je vais choper un dupe. Hein. Il a 2 Natsak LD. Il a 2 Natsak LD. Jamais de la vie, on chope un dupe. Hein. C'est bon. Hein. Non, impossible. Arrêtez. Hein. Me faites pas genre... Il faut que tu gardes des ressources au cas où si tu chopes un dupe. Non, c'est bon. Ouais, on va pas choper un dupe. Hein. Holy, il a 100 000 LD. Oïe, 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 on se frotte les mains, là. On se frotte les mains, très, très fort. Ok. Bah, écoutez... Oh, j'ai même pas fait de prédiction, mais quel noob. Oh, je suis trop un noob. La semaine était incroyable. Maintenant, est-ce qu'on peut, genre, rajouter la petite cerise sur le gâteau? La cerise sur le gâteau. Oh, j'ai cru que c'était Anne. Imagine la cerise sur le gâteau. Mais il l'avait pas. Il l'avait pas. Ok. Ça commence bien. Je coule Lucifer. Non, mais si on a Lucifer alors qu'il l'a mis dans sa liste, ce serait incroyable. Après, je pense qu'il y a quand même des meilleurs à voir si j'y en a, mais... Si tu summon un Jäger... Non. Si je summon un Jäger, je quitte Twitch jusqu'à nouvel ordre. Non. Jusque demain.
Janna et Ange Dark, je call. Waouh, c'est bâtard ça. Re-tex, ça va. T'arrives au meilleur moment. T'arrives pour faire ta meilleure prière pour qu'on chope un Arsak LD à notre pote Julien là. Julien, il veut un Arsak LD là. Ok, bon, c'est bien. C'est Danou. Ok, ça se prend. C'est cool. Nouveau, il l'avait pas. Génial. Deux Natsak, deux nouveaux mobs. Deux Nat 4, pardon. Parfait. Allez, il en reste une centaine. Juki, Julien. Et Julien. J'ai Jäger. Akame. Akame le mage noir. Non. Arrête ça. Qu'est-ce que tu veux? Reviens à la lumière, Akame. Pour le petit Juju. Allez, Atmos, s'il te plaît, un petit effort là. Allez, hop, c'est maintenant. Hein. C'est maintenant qu'on a besoin de toi. Appuie sur les boutons, on est Juve. Vous inquiétez pas, en général, ça arrive souvent au moment où on s'y attend le moins. Genre, on est là, on chill, on est là, oh, on a rien, on se plaint un petit peu et pouf, ça tombe. Je peux pas, c'est trop bon. Je vois ce que tu veux dire. Allez là. Come on. Y'a plus d'étincelles, y'a plus d'étincelles, ça m'énerve. Ah, merci. Une étincelle. Ah ben voilà. Ah, un petit bearing, bon. C'est pas ce qu'on voulait. Oh, une autre étincelle. Ok, ok. Bon, deux étincelles. On s'est plaint et on a eu deux étincelles. Bon, c'est pas ce qu'on voulait. Et au moins, on est dans les raids en termes d'étincelles. Pitié pour Juju. Il est là, il est en dépression de ce Summoner War. Il peut plus le voir sur compte. Il me confie sa semaine, il me dit Tito, t'es mon dernier espoir. Comme tu vois, ça entend-le. Il est en souffrance là, il faut le délivrer. Le HH Gate, c'est ça. Nah, et puis ta selle. Vas-y, il reste 45. Vélin. Genre, donne-moi au moins une étincelle, mais genre une très très belle, tu sais, genre le truc qui serait ravi de zinzin. Bah, on attaque LD. C'est où le storage? Ish, c'est là. J'ai quand même gardé de près de moi tout ce qu'on a eu de nouveau. On a eu pas mal de nouveaux mobs, hein, c'est pas mal. Et on va garder les petites étincelles LD. Voilà, parfait. Allez, 43 LD. Étincelle. Genre Léa. Je sais pas s'il a Léa, j'ai pas fait gaffe. Oh, étincelle, wait. Maintenant. Oh, Emily. C'est pas un choix chez Emily. Oh, encore une étincelle. Wait. Ok, Alpha, c'est où que Alpha? Bon, il l'avait pas. Bon, c'est pas plus trop méta, mais ça reste pas mal. C'est nouveau. C'est nouveau, donc on est content. Emily et Choix. Ah, Choix. Ouais, il me semble bien. À mon avis, il l'a pas fait ou bien il l'a pas encore invoqué. Bon, Alpha, c'est cool. Pas HOH. C'est bien en défense arène. Il fut un temps, c'était plutôt méta. Allez, come on. 29 LD, 28 LD. Maintenant. Please! Allez, au moins une belle étincelle, s'il te plaît. On a pas eu genre. On a eu des belles étincelles, mais on n'a pas eu genre l'étincelle, même en 4 nat qui est vraiment en mode. Waouh, trop cool, genre, tu sais, un Kinky, un truc comme ça, tu sais. Ok, étincelle. Ok. En vrai, de vrai, Yona, ça se joue en siège. Je joue jamais en siège, mais
En vrai de vrai, il y a quand même pas mal d'offenses que tu peux faire avec Yona. Pas trop mal. Ok, t'as celle encore. Ok. Trassard, il l'avait pas. En vrai, Trassard, ça se joue aussi en siège. Hein. C'est des mobs sièges tout ça. C'est quand même des étincelles intéressantes. Hein. C'est des mobs qu'il n'a pas. Je suis le Natsa Keldé, il est où là? S'il te plaît, on voit le Natsa Keldé. Après, on peut l'avoir dans les scrolls SWC. Rien n'est exclu. Oh, je skip. Désolé. Bon, c'est nul. Ok, 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 ok. Bon. Il reste deux vilains SWC. Ok. Putain, je voulais mon Natsa Keldé, moi. Non, il du va. Ouais. Bon, on termine sur la tête aimée, ce qu'il voulait. Ok, bon, au moins on termine sur une note positive. On termine sur le mob qu'il voulait. Ok, ça va. Non, en vrai, la semaine est bien. La semaine est très très bien. On a eu pas mal de trucs sympas. La vérité, on lui a chopé quand même des bonnes petites dingueries. Genre, on lui a chopé là, Lia, juste tout maintenant, là, Amélia, on lui a chopé Psamat, Amavel, Patrick, Vanessa, Zen, Savannah, Léo. Et en AT4, on lui a eu Danou de notable, on a eu Alphas de notable, on a eu Yona, on a eu. Bon, ça va, Chouach, hein, mais ça reste quand même intéressant. On s'appelle comment encore Jin. Et on a eu un Trassard. Ça va, c'est une belle semaine. Franchement, c'est une belle semaine. Moi, je pense qu'il va être content. Vous pensez qu'il va être content? Moi, je pense qu'il va revenir sur le jeu. Hey, Juju, maintenant, il te reste une seule chose à faire, c'est revenir sur le jeu et monter tout ça. Et pour YouTube, bah, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésite pas à t'abonner à un petit pouce bleu. Et ciao, ciao les potes, t'étais Tito.